quoi? C'est Nino. Oh, cousin, Mani, ça fait un bail, man. On dit quoi? Ah, vraiment un bail, Mani. Ouais, très longtemps même. Sinon, frérot, dis-moi, c'est quoi les news là-bas? Qu'est-ce que je veux te dire, cous, y'a rien que tu ignores. Le bled reste le même, c'est juste toi ici qui manque. Le taf toujours pénible, alors je dors à l'heure des poules. Pas le temps pour le beurre, frère, j'écris moins souvent. Hey, t'inquiète pour la mif, tout le monde se porte bien. Jeffo, on est fermé, Yola, elle se porte bien. Fabo et Siska, oui, te passe le salam. En espérant que la balle au school n'est pas trop coriace. Le way du bled, c'est que tout le monde est dans la jam. Telle rue les met en l'air, comme si c'était un braquage. Y'a des sorciers par-ci, et des sorciers par-là. Mais en fait des comptes ils finissent tous par être abrutis. Le soleil frappe fort, toujours ici Ndami. Le pays est sur calme, plus rien n'est face à sans les dégâts. J'ai beaucoup à te dire concernant le bled. Parle-moi plutôt de toi dans le pays de Tangani. Ah ça, je vois que les choses ne s'améliorent pas au bled. Mais bon, enfin, je crois que ça va aller. Mais Joe, l'enchamp c'est quoi encore? Ça c'est quoi Joe? Max-moi un lien sur YouTube et puis je vais voir à quoi ça ressemble Joe. C'est comme ça ici, écoute. Dans la rue, tu vois les gosses marcher en dansant. Attends, en tout cas, je te faxe un lien sur YouTube, tu vois qui fait toi-même. Mais dis-moi un peu, et toi là-bas? Je me porte bien, le nécessaire c'est la santé. J'habite dans un immeuble, Saint-Christophe c'est le nom du quartier. Je suis là, je compte les jours, toujours présent sur la terrasse. Je garde le cap sur les études malgré le froid qui me terrasse. Mon frère, ton appel me fait plaisir, je respire encore. Et comment vont les autres? Noé, toujours dans le désordre. Maïté et son mari, j'espère qu'ils sont toujours unis. J'ai vu les photos de Yannis, c'est fou comme elle grandit si vite. Ouais, cause, t'as vu comment elle a grandi? Ouais, j'ai vu. Petite Yannis. Prendre de l'âge, hein? Mais tu sais, les enfants la grandissent tellement vite. Et puis, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça, quoi. Mais dis, de ton côté, comment vont les affaires? Le taf n'est pas trop dur, faut pas te péter les artères. Cous, veille sur les miens, ils sont restés tous seuls. Je peux compter sur toi, pareil que notre frère Ziska était en deuil. Situation très pénible, j'imagine. Les mots ne suffisent pas pour apaiser le mal que ça implique. Décidé à continuer sur ma lancée, j'écris les soirs pour étouffer l'angoisse et libérer mes pensées. La vie c'est ça, quand la mort arrive, elle est inévitable. Il fallait soutenir le frangin dans cette triste douleur. Mais tu le connais très fort moralement. Il va s'en remettre, lever la tête, la vie continue. Le petit Ruben pose des questions sur toi. Je lui dis que t'es en voyage, que dans bientôt tu rentres. Et qu'à ton retour, il y aura plein de cadeaux. J'espère que tu y penseras, faut pas le décevoir. Non, même pas. J'étais même dans un magasin ce matin-là, je l'ai pris plein de choses, tu vois. Ok, top. Bon, cause, je vais devoir te laisser l'affaire du crédit là. Oh. C'est ma bille, man. Ok, pas de soucis. En tout cas, on reste en contact. Ok, top, on s'appelle. À plus.